Bon les amis, aujourd'hui on part de Mehun, on vient de se prendre une rincée d'anthologie, donc tout va être bien trempé. On a la chance, il s'est arrêté de pleuvoir et à mon avis il pleuvra plus. Donc on va quand même rester à peu près au sec sur le vélo, mais juste avec un terrain bien trempé. Donc on va bien se régaler parce qu'il y a de sacrées belles descentes ici. Je ne sais pas si on les fera toutes en termes de sécurité, parce que comme il y a beaucoup de rochers glissants, on verra. On verra au long de la sortie. Allez c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Mais sire! Il est pas... C'est un prêt. Ah! Il est joli! Avec option d'achat. Regardez comme il est beau. Un petit Dune Dusk. Dusk Moondragger. R. Moonraker. Putain, il va falloir... Je peux le régler avec le portable. Je suis en train de lutter, mais je crois qu'il va falloir que... Ah non, hein. Quoi? Non. Non, bon alors pas d'électrique pour moi. Moi j'ai ce voilà. Moi je suis obligé de rester en musculaire, ils veulent pas. Non, on veut pas. Allez, c'est parti les amis. Comment ça? Par du cardio, ça va monter un petit moment. Là on commence par un petit DFCI. Sans doute on verra l'état des forces actives. Soit on passe sur un petit single sur la droite. Bien sympa, ou alors on continuera au train tranquillement là-dessus. On verra. Ouh. Oh, mais moi, avec la pluie là, enfin le mauvais temps, le dos ça tire grave. Alors, on va voir ce que ça donne. Allez, on a séparé les groupes en plusieurs. On se rejoint un peu plus haut. Du coup, j'ai pris la partie en sous-bois, un peu plus cardio, j'en ai bien besoin, comme ça on va continuer à se refaire la forme. D'ailleurs en parlant de ça, depuis 3 semaines, 4 semaines, maintenant un mois, je suis passé de 80 kg à 79, là ça fait plaisir, ça commence à payer un petit peu sur la balance. Et je sais pas encore vraiment ça sur le vélo. Le cardio tout ça, mais ça va déjà un petit peu mieux, on verra au fil du temps. Allez là par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est toujours aussi joli. Après vous avez l'habitude, je pose souvent mes roues sur Mehun avec Philippe, donc il y a des trucs que vous avez déjà vu, mais ça reste un super coin aussi pour le vélo. Allez, le plusieurs des montées de petits singles c'est fait. Oh quoi. Oh j'en ai mon petit déjeuner qui remonte. Après on va pouvoir se refaire un petit peu. Ça va être une DFCI un peu plus large, un peu plus cool. Pour arriver jusqu'en haut, mais c'est pas fini. Si on en a fait un tiers de la montée, c'est le bout du monde. Allez, on a récupéré le reste du groupe 2. Groupe 1, il est parti faire une montée encore plus raide que celle qu'on vient de prendre. Et nous, on va continuer ce petit single. DFCI single jusqu'en haut. Là, les rois du bunny up, comme moi, ils seraient passés par le milieu, mais là, je me sens pas. Faut dire que j'ai jamais réussi à décoller les deux roues en même temps. C'est plus compliqué pour faire un bunny up. Descendant sur 50 mètres. Ouais. Go, go, go. Allez, go, 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 go. Oui. What? Olé. Ah, tout ce qu'on vient de monter, en fait, avant. On l'a redescendu pour le remonter un peu plus loin. C'est pas grave, il est bien sûr. Il est sympa. Allez, ça grimpe toujours. On a fait 250 mètres de dénivelé pour 5 bornes. Et à peu près la moitié de la montée. Par contre là, l'avantage c'est que on va la faire sur piste des FCI. Ça va être plus cool. Ouh. Eh ben.
Pour un début de sortie, ça pique sévère. Vas-y, respire. Respire dans la caméra. Toi aussi, t'es désoxygéné. Filou, bilou. Regardez-moi comme c'est beau. Magnifique. C'est pour ça qu'on en chie chaque week-end pour voir les paysages. Il est bien sympa. Et là, avec mon petit Jean-Louis devant. Ouais. Les Rocky Mountains sont en place. Les Rocky Mountains sont là. Le gang des rookies. Je sais pas où ils sont les autres. Joli. On est là. Les Rocky Mountains. Je sais pas où ils sont les autres, on les a perdus. Je crois qu'ils arrivent. Ils sont loin. Oh les gars, on a fait péter les cartouches là. Ah. Ils sont là. Bon, toujours pas en haut, mais on s'est fait un petit 9 km, pratiquement 400 mètres de dénivelé. Et là, on arrive au tournant de la sortie, à savoir à droite ou à gauche, on va voir où c'est qu'on va tourner. Quoi. Si on monte par là, on va se faire un petit single avec un tout petit peu de descente et puis on remonte derrière. Mais il est bien sympa aussi, petit single en sous-bois, très joli. On va voir. Et là, du coup, on a pris le petit tournant à droite par le petit single. Puis on va se faire là, le petit bout de descente. J'affectionne particulièrement parce qu'il est tout en sous-bois. Ça, c'est magnifique, vous allez voir. Allez, c'est là les amis. Alors, j'ai pas eu le temps de débloquer la morteau. Je lâche pas de main parce que sinon ça va être déroute vu que ça tombe, ça glisse. Et celle-là. Avec un peu de vitesse. On va essayer d'y pallier. Allez les amis, on attaque avec ça et on fera le point un petit peu plus haut. Maître Chung a dit, petit scarabée, si tu veux monter, il faut méditer. Me connecte avec la nature. Bon. Putain. Attention, petit moment hot dans la vie d'un sudiste, immersion chez les nordistes. Ah, ah merde, je me suis mouillé le mollet, tasse. Ah. Allez, on est sur une belle petite montée là. Déjà à sec, normalement on la fait pas. Alors la humide, ça risque d'être compliqué. Et ta mère. Eh ben non. Allez, ça m'entouille encore. Tranquillement, entre les chaînes, c'est magnifique. Ça fait du bien. On en est à 13 km, 560 mètres de dénivelé, et c'est pas fini. On va continuer encore un peu à grimper, et après on va attaquer le vif du sujet, à savoir de belles descentes, bien méritées je trouve. Ouh.
Allez, ça descend de mouille. Sur 200 mètres avant d'arriver. Voilà, avant de remonter encore un peu. Bon, mais j'espère que vous aimez la montée parce que du coup, on est encore dedans. Mais c'est quand même bien plus joli. Là. Eh oui, les nordistes! C'est pas la peine de se faire mousser chaque week-end pour vous, pour montrer que vous avez des flaques. Nous aussi, on a des flaques dans le sud. Voilà. Hein? Et on se fait pas mousser chaque semaine à les montrer en vidéo. On les garde de côté, bien cachés. On vous les laisse d'ailleurs. Parce que ça mouille. Ça fait chier. Ça salit le vélo. Ça salit les habits. C'est la merde. Encore. Je vous le dis encore une fois, je trouve que vous avez énormément de courage de rouler dans vos conditions, les amis. Franchement, je les échangerai pour rien au monde avec les nôtres. Hein. Allez, c'était une petite dédicace pour vous, les gars du Nord. On y est, la ferme de Soublanc. Alors, il n'y a pas les copains, on s'est séparés en deux. On va aller voir un petit peu plus loin s'ils sont pas encore arrivés. On y revient, et sinon, on va les rejoindre un petit peu plus loin. Bon, allez, on s'est regroupé. Dernier petit coup de pédale. On va aller chercher la première descente. Où il va falloir faire attention parce que c'est plein de roches. Et vu le terrain trempé comme c'est, il va falloir faire gaffe. À mon avis. On est là, on est en place pour la première descente. Après que de la montée, que de la descente. On ferme les yeux, on lâche les frères. On va laisser nos couilles en haut et on va essayer de les récupérer en bas. Nos burnes accrochées au. Ne le dis pas à la selle. Que tu risques de te les accrocher à la selle. Oh, tu as les cours, allez, c'est parti. Ouh, ça glisse dur. Ah. Ça glisse dur. Ça va être chaud, patate. Ah, ça glisse, hein. Ouah. Allez, c'est passé. On va laisser passer Sissou parce que je vais l'emmerder. Voilà. Cherchez pas, je vais pas le suivre. Hein. Je sais pas où il apprend l'adhérence. Hein. Franchement, j'ai pas compris là. Ouh. Le peu de avant, il tient à rien du tout. Sissou, il est déjà en bas. Oh quoi! Ah, mes mauvais démons ils sont là, hein. Je suis tendu comme un string. Peut-être. J'essaye de pas freiner, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il freine tout seul le vélo. Ça va encore sortir la plaquette pourrie là. Ouh! Allez, c'est passé. Bon là les gars, j'ai pas de conseils à vous donner. On serre les fesses et puis on essaye de se rattraper quand ça part. Comme là, j'ai frôlé la correctionnelle. Bon, j'ai les genouillères quand même. Ah, ça passe. Si tu prends bien droit, faut essayer de prendre
le plus droit possible en fait dans les. Même si tes trajectoires après derrière elles sont pas bonnes, mais ce qui glisse, faut essayer de le prendre droit. Et garder un peu de vitesse. Facile à dire. Mais le cerveau il a tendance à faire. Il a tendance à faire l'inverse. Et là comme je suis un petit peu trop crispé, force. Moi c'est les bras que je commence à plus avoir. Oh quoi? Les bras. C'est tout dur. Pourtant je suis pas excité. Oh quoi? Moi c'est les bras que j'ai de dur. Bon c'est pas là où on aura gagné en vitesse. Folle hein. Mais ça se descend. Oh putain celle-là là. Celle-là aussi. Allez, on se met bien dedans. On se décrispe un peu. Et ça passe. Oh con. Bon, je vais m'arrêter là, je vais filmer un peu et puis au moins ça va me reposer un peu. Ah c'est ça, va arriver. Peut-être t'as raison. Oh j'en peux plus. Allez on est reparti. On repédale un petit peu. Je sais pas. Il y a une descente à prendre. Encore bien sympa. Mais il faut encore un petit peu pédaler des relances et tout ça. Je sais pas, j'ai le dos qui tire vraiment donc. On verra où vont tout le monde. Mais je pense que s'il y en a qui coupent, je vais suivre. Ça c'est les petites montées qu'on a fait tout à l'heure. Bien cardio. Elles sont beaucoup mieux dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi. Bon du coup on a suivi les copains. On va faire la dernière descente puisqu'ils passaient tous par là. J'ai le dos qui tire bien, on va serrer les dents. Demain ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs en parlant de ça, il y en a beaucoup qui regardent les vidéos là, qui roulent comme moi avec deux hernies discales. Comment ça se passe pour vous là? Dites-moi un petit peu en commentaire. Allez, deux petits passages techniques là, bien glissant. Et le deuxième, on a Bouli devant. Jean-Louis Bouli, Bouli mon ami, vas-y descends, lâche les freins Bouli. Et là ça se paye cash. Rac, le petit coup de cul de la mort qui tue. Et après on devrait plus être très loin de la descente. Ah pas. Oh le bâtard. Et là, il essaie de me niquer. Je suis reparti. Je suis mort. J'ai niqué tout le monde. Attention, il y en a encore un. J'ai niqué tout le monde. Il y en a encore un. Oh putain. Non, il y a le coup, j'arrive, mais. Il y en a qui me gênent. Je les ai tous eus. C'est ma faute, c'est pour moi. C'est cadeau. Bon, vous avez vu? Petit message à Jean-Louis et le diable. S'il a vu que j'y étais d'intérieur, il m'a fermé la porte, le bâtard. Il m'a coincé. Il m'a mis dans le décor. Diable. Voilà, je roule un stick. Quoi. Ah. Allez, on est parti. Celle-là aussi, elle est belle. Là, elle est comme dirait le capitaine, elle est bueno. Bon, pour l'instant, il y a un peu de grippe. En tout cas, ça me chagrine pas plus que ça.
quand t'es pas chagriné. Ah bah c'est... Ouh, là par contre, il y en a un peu moins. Mais ça va. Oh, bah elle est pas si mal. Ça va. Je pensais que ça serait plus catastrophique que ça. Gaffe. Ça se passe. Oh putain, l'arbre. Oh, j'ai tapé l'arbre. Ça va, je me suis rattrapé. Oh, j'ai tapé l'arbre, j'ai failli m'en mettre une. Bien joué. El Diablo, le magnifique. Ouh. Allez, ah, ouh, El Diablo, le magnifique. Oh, allez. De merde. On a la vignette. Oh, on a la vignette. J'ai des slicks, moi, devant. On veut pas savoir, on veut pas savoir, on veut pas savoir. Allez, on se lâche les dernières cartouches avant le dernier petit tronçon. Dur, dur. Et après, ça descend jusqu'aux voitures. Allez, on y est. Maintenant, ça descend jusqu'aux voitures. Ouh, le cul est allé dans l'autre sens où je voulais tourner. Allez, ça va. Ça en fait. Ouah, j'ai pas pu sauter. Il y a un passage qui me fait peur, je crois qu'on y arrive dedans. Ouais, c'est celui-là. Parce que là, c'est tout humide. Voilà, je pense qu'il faut pas freiner du frein. Oh, putain. Attention. Je savais que... Ça. J'ai vu tomber, je me suis dit à mon avis, c'est bon. Oh. Ah, je me suis niqué plus en tombant à pied que sur le vélo. Ah, oh. Oh, je me suis démonté, quoi. Ah, oh. Oh, je me suis niqué plus à pied que sur le vélo, quoi. Ah, après, cette enfoiré, il m'a dit, je vais te mettre en première ligne sur ma dernière. Ah, ouais, mais. J'espère que tu finis, là. Ah, oui. Ah, je me suis vautré, quoi. Comme une merde. Ah. Je me suis couché sur le côté, je me suis pas fait mal. Je suis reparti à pied, je suis l'avant et je me suis fracassé le cul. Yes. À poirée. Il est là, Diablo. Tout un technique, ça va, ça va. Hop là. Hop là. Allez. On clôture la fin de sortie comme il se doit. C'est encore bien amusé, on a encore bien chié aujourd'hui. Le bol de bière après a tombé.
Et voilà, une bonne bière après s'être cassé la gueule, Jean-Louis et moi, du coup. Enfin voilà, on a bien rigolé encore. Ça glissait énormément. Et puis voilà. Tu l'as en vidéo, j'espère. Je l'ai en vidéo. Voilà en vidéo. Le titre de la prochaine vidéo, c'est El Diablotino. Des larmes de sang. Des larmes de sang. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.